C'est déjà que les quatre membres du groupe n'avaient jamais joué ensemble. L'autre chose, c'est d'ajouter des textes parlés. C'est quelque chose que je trouve très original et très intéressant et qui développe la musique. C'est justement le fait d'exposer le texte et un avis sur l'actualité, le monde dans lequel on vit. Il y a la musique, et comme on accompagne en plus le texte, je trouve que ça donne du sens, une inspiration pour la musique. Chemicals, pollution, oil. Shall we stop? La troisième chose, ça reste un groupe de jazz. Mais c'est une approche pop, on a fait un gros travail sur le son. Différents univers avec des textures, des couleurs à chaque fois aussi bien dans un esprit un peu plutôt rock progressif, mais avec de la musique au départ, un matériau qui était plutôt pop. Son assez électrique, quoi. C'est un peu la couleur qu'on cherche, j'ai l'impression, jusque-là. Et voilà, donc sur ce côté métallique, électrique, et aussi beaucoup sur les delays, c'est de créer des climats qui s'accordent bien aussi avec les séquences, avec le road. Donc il y a un travail qui est assez intéressant là-dessus, je trouve. D'aller beaucoup plus loin au niveau du mix en concert et de vraiment anticiper les solos, pouvoir travailler les effets.